à Fantasyland. T'es encore en Belgique actuellement. Ça permet un peu plus de 2 heures. On se retrouvera à Fanta et on peut filmer un peu la route, mais pas vraiment. Je vais tôt ce matin. Et enfin pour aller découvrir Taron. Deuxième fois que je viens en Belgique, ça fait longtemps que je suis venu. Oui, à tout à l'heure à Fanta. Bonjour et bienvenue à Fanta. Et qu'est-ce qu'on voit devant? Un rail de Taron. Non. Putain, c'est terrible. Oh la vache. Bien mêlé en plus. Putain. Oh la tuerie! Imaginons pas, imaginons en vrai ce que ça va donner lui! Eh, il y a la visite en plus! Oh, bon, comme ça! Ah mais là c'est le premier bubbly hop en plus. La première. Eh il est là le premier artail. Ouais, il est là. C'est lui. C'est ici qu'il faut que je fasse ma photo. Wouah. Déjà la théma, c'est une théma de ouf comparé à Astérix. Wouah. Et derrière il y a Taron, le reste. D'ailleurs je vais aller découvrir bientôt. Voilà le rider d'ailleurs aussi. Je suis pas venu là pour pas le faire, c'est sincère. Ah putain. Est-ce que le roi d'être encore devant? Ouais. Oh là 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 là. Et c'est mon premier intamine pour moi. Ah t'as dit Abadi, c'est mon premier intamine. Moi aussi j'en ai raidé un avant, mais c'était pas un vrai quoi. Ces rasseurs, franchement, lui à côté de lui c'est de la merde. Hein. Bon, allez, à tout à l'heure devant Taron, pas loin. Bon, on attend les premiers tests de Taron, ça va pas tarder, je pense. Ouais, vérifie, ouais. Bon, ça va pas tarder. Il va être le launch. Il allume les trucs. Ouais, ça va pas tarder. Contrôle les launch. Ça va pas tarder. Allez, il tourne. Ensemble, il va arriver dans le bateau dans le deuxième launch. Il va faire un bouton. Ah bah il arrive. Il y a un truc. Ah bah il a freiné. Il a pas totalement accéléré. Non. Pas encore assez chaud. Attention. Bien chauffé le bordel, il avait bien chaud tout à l'heure. On a gagné un autre tour, on va la plus faire trop. Il y a un train qui va arriver, on va entendre du bruit.
envie de le faire maintenant. Bon, les rails au-dessus. Ouah, mais c'est une tuerie celui-là, laisse tomber. Je crois pas qu'on peut pas être comme ça, franchement. Ah, les airtables, c'est des éjecteurs, mais laisse tomber. Hein. Tu t'envoles, mais d'une puissance. À la fois, tout à l'heure, c'est mon numéro 1, sans problème. Bon. Faut aller voir. Faut aller voir. Ouais. Mais il est trop beau. Attends, il est en single un peu, vite fait, pour voir. Ouah. Mais il est excellent. Allez, en single pour continuer peut-être un peu. Vraiment, franchement, en un mot, il est vraiment excellent. Attendez, puis il y a le deuxième mot, c'est un bordel. Ah mais il est trop beau. On va tarder à arriver dans le monde. Je vais emmener une souris. C'est une souris. C'est une souris. Allons faire Black Mamba. Le livre, le livre. Pas de train pour le temps. Ah bien. Oh oui, d'accord. Bien chaud. Ouais, du nylon, je rentre ici. Du nylon là. Ah ouais. Ah ouais. Tu vois pas le rugifère? Alors lui, il est mieux que le Miner Express. Franchement, il mouille à fond. Et t'entends même pas. Regardez-moi ça. Elle était bien là, ça fait de l'eau dans la gueule. Par contre, au niveau trop fort, t'as le Chiapas. Il y a une sacrée différence avec Miner Express. Il ne vibre pas. Il n'y a pas d'à-coup. Il y a une fluidité. Laisse tomber. Bon, on va voir si je me trouvais le t-shirt de Taron. Après avoir raidé un peu Windjazz Force, c'est clairement bon. Retournons voir, en temps d'attente, apparemment il y a 50 tarons et 10 à Black. Allons faire que l'Adore Aventure parce que Black est un peu blindé. Il est violent celui-là. Laisse tomber. Il y a des jeux de tort, des stands bourrins. Moi j'ai pas assez mon portable parce que mon Ado Pro il a un petit problème. Je vais filmer au portable dans un petit moment, vite fait. Et si ça repasse à l'heure, j'en filmerai avec la GoPro parce qu'il y a un problème d'eau. Voilà. Bon, il y avait un taron là. On va le rider encore. Eh, mais franchement, Minda. C'est par là. Tu peux avoir de l'aventure, il y a des bêtes d'airtime. Bon, ça vaut pas taron, hein. Là, c'est sûr. Bon, le retour à Taron. Rien first. Une tuerie celui-là. Rien à redire. On va y battre ici devant. Bon, après avoir fait un tour, on verra comment ça va en Black. Depuis tout à l'heure, il est blindé là. Elle descend pas. On va bien le faire aussi. Lui. Bon, allez, à tout à l'heure. Il est en route pour aller faire Black Mamba. Il y a des rails à portée de vue. Comme là. Et c'est mon troisième BM pour moi. Et là, on va le flash spin. Le loop. Et ben voilà, un train. Ça fait plaisir et on va pouvoir passer par là. Et moi, j'ai mis un moment à imaginer comment il est chaud. Et en plus, c'est du nylon. Donc, bon. Il y a un peu de monde, mais ça va. Mon premier tour sur Black. Je crois qu'il y a du nylon, il y a du nylon, ça bouge les yeux. Attends, attends l'autre tour. Voilà sa puissance. Excellent.
excellent. Franchement, il est bon. Et c'est airtime de ouf. Là, tu vois là. Là, choqué. Il y a Baptiste dedans. On a eu la chance, il est au first row. Lui. Et on va voir le filmer dans le deuxième loge. Il est main en l'air en plus. Il est pas loin. Il est pas loin d'avoir une deuxième lunch. Oh. Pour un sixième tour. Lol. Dernier terrain de la journée, le 7ème. Un record aussi. Hein. Lol, bon, ça va beaucoup. Mais par contre, il est d'une fluidité, il est puissant, les airtime violents. Et j'ai tort, comme on adore. C'est nul, théorie. Et du coup, c'est mon numéro 1. Ça me donnait pas ça aussi. Et il y a une belle musique. Franchement, je pensais pas que je vais regarder un concert comme ça un jour. Eh ben si, alias Saron. Et il suis pas à ras du truc. C'est une tuerie. Mais regardez-moi ça. Wow. Et puis c'est en train d'y passer, c'est trop cool. Il était excellent, franchement, 7 fois en une journée. Bon, maintenant il va falloir se rentrer, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça, il va falloir comment. Et le lunch encore qui tourne. Mais là il a fermé, on va arrêter de lui faire une single. Ça a un peu loupé là. Il n'y aura pas de single. La prochaine fois, bah, je pense que ça sera le PA, hein, Astérix. Et là. Paris, la prochaine ce sera Astérix. Peut-être dans 2 semaines ou 3 semaines, je sais pas quand. Voilà, j'en ai un peu plus faire, c'est dommage. Peut-être la prochaine fois. Bon, on verra la prochaine fois si on revient en septembre sur le forum, mais je sais pas. Bon, allez, sur ce, à plus, et peut-être à la prochaine.